Et bonjour Internet, bonjour mes petits canards, ici Casamania, salut Agorelia, comment vas-tu mon ami? Retour sur Fallout 4 pour jouer un petit peu tranquillou. Fallout 4, jeu bien compliqué pour un jeu solo. Toujours malade Agorelia ou tu t'en es remis? Moi, ça va. M'en suis remis, mardi c'est mon jour de repos. Je vais geeker un peu, tranquillement. N'hésite pas à me dire niveau son. Entre le son du jeu et ma voix. Et ça va. Bon, petit Agorilla. Donc, ça marche, ouais. La forme, eh bah ben, tant mieux, Ago. La forme. Qu'est-ce que tu racontes de beau, mon cher Ago? Qu'est-ce que tu racontes de neuf? Allez, ceci. Je suis en train de tout recycler là. De tout recycler, tout foutre en l'air. Dans ma zone là, parce que c'est moche tout ça. Me fera des. Ça me fera des composants pour pouvoir faire. Pour faire une base comme je souhaite. Sur Wildstar! PVP, PVE aujourd'hui sur Wildstar. C'est une bonne. C'est un très bon programme, ça, mon cher Agorelia. D'ailleurs, tu joues donc sur. J'habite côté exilé, hein, si je ne m'abuse, Ago. Avec sans flamme. En train de tout vider. J'ai stream ce matin en PVP Medic Hill. Ah, faudra que je regarde un petit coup la diffusion. Je suis curieux de voir ce que ça peut donner le PVP en Medic Hill. Et du coup, t'es niveau max, j'imagine, Ago, avec ton heal. Ah, tes capsules. Ça, on commence à avoir pas mal de matos. Niveau max, ok. Et ma grande question, c'est, on va dire que la hype du free-to-play est passée, mais je pense qu'il y a quand même du monde hein, sur, je trompe peut-être sur Wildstar. Dis-moi, mon cher Ago, je pense que quand t'es niveau max pour faire les PVP, du moins, tu dois pas trop attendre. Donc c'est pas mal. Alors j'en suis où? J'en suis où? J'en suis où? J'ai fait, j'ai bien avancé. C'est un boulot hein, de tout vider. Encore de stuff. Le renage, ça s'est calmé. Ouais, j'imagine que ça s'est un peu calmé. Normal. Et à un moment, ça se calme. Mais on attend très peu. C'est principal. Rien de plus chiant que d'attendre. Surtout dans les MMO. Alors, petit nettoyage de fait par ici. Il fait tout sombre aujourd'hui, il fait tout gris, je sais pas chez toi. J'aime quand c'est propre. Propre et rangé. Propre et rangé. Il faudra passer la tondeuse. Est-ce que quelqu'un peut passer la tondeuse? Sais pas si t'as rejoué un petit peu à Tree of Savior. Moi j'ai arrêté tout simplement parce que j'adore ce jeu. Mais j'ai pas envie de m'investir dans le vent avec la bêta. En tout cas, j'ai hâte de le voir sortir officiellement, hein, ce Tree of Savior.
J'espère qu'ils vont le sortir pas en free to play, parce que le free to play, pour moi, c'est toujours des mauvaises a priori. Mais du moins, sans abonnement, en buy to play, ce serait super. Hâte de le voir débarquer. Alors, j'aurai une bout de palissade qui sera là dans le vent, c'est pas bien grave. M'appelle le nettoyeur. Pression de jouer aux Sims. Là, du bois, j'en ai masse. Tout bien ça. Je peux aller jusqu'à l'eau. Donc, ah oui, c'est vraiment là. La zone de sanctuaire est vraiment immense. Vraiment très grand. J'arriverai pas à tout nettoyer. Bon, j'ai arrêté de nettoyer ici, c'est trop loin. De toute façon, faut vraiment que je nettoie plutôt au milieu. Histoire d'y voir clair. Là où il y a mes collègues. Puis je leur fasse, on va dire, des maisons, tout ce qu'il faut. Ils veulent des lits, ce que je peux comprendre, donc on va leur faire des lits à tous ces gens-là. Ailleurs. Salut Resti, comment vas-tu mon pote? Vois que on retrouve tout les gars de sans flamme là. Resti, Agoralia. J'ai rajouté un petit logo d'ailleurs, sans flamme, sur le stream. Quoi de neuf, ami belge? Je suis en train de recycler, comme tu vois, tout ce que j'ai sous la main dans ma petite ville de Sanctuary pour pouvoir faire un putain de truc genre les Sims. Fort bien. Bah moi ça va aussi. Enfin ça va. Oui, ça va. J'étais malade là ce lundi. Vraiment pas bien. Là ça va beaucoup beaucoup mieux. En plus c'est mon jour de repos, donc je geek un peu. Sinon, ça va. Je vais pas me plaindre. J'ai été, je pense, comme tout le monde, choqué et bouleversé par tout ce qui s'est passé ce vendredi 13, là. Dur, 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 mais moi, ça va. Pas me plaindre. Salut, il est Stinia. Je te mute. Instance vétéran. Bonne instance à Gorilla. Bon courage. Et salut, il est Stinia. Alors comme ça, tu travailles. Alors comme ça, tu travailles. Tiens, bah, il est Stinia. Toi qui joues à Fallout de manière efficace, tu vas pouvoir m'aider. En mode housing. Ouais, en mode Sims. Je suis en mode Sims là. Ça prend énormément de temps finalement. Je fais plus les Sims que l'histoire. Mais c'est rigolo quoi. Il faut que je fasse des lits. Alors là, je fais juste un peu de ménage parce que j'ai horreur d'avoir des trucs qui traînent, ça me stresse. Voilà, donc je recycle. Et ensuite, je vais faire les lits. Je bosse dur. La forme, la pêche, la patate. Oui. Ah, tu dois aller bosser en fait. Bah, c'est bien une des rares fois où tu me le dis, tiens. J'en connais un qui se plaignait depuis quelques temps. M'ennuie au boulot. Et bah, si tu dois vraiment aller bosser, bon courage, mon cher Elestinia. Pardon, je suis un petit rototo. Alors,
Mobilier, on va essayer de faire des lits, ça serait bien. Lits. Ah, j'ai de quoi faire. Des lits. Ah, j'en ai toutes les sortes. Bon, on va mettre des vrais lits, hein. Peut-être pas le... Voilà, attends. Attends. Non, je rigole, j'ai rien à faire, j'ai dit ça pour pas t'aider. Non, non, c'est bon, je veux pas d'aide pour le moment, Elistina, c'est juste que... Parce que si, j'ai souvent plein de questions, mais là, j'ai pas de questions qui me viennent. Ah si, j'ai ça, tiens, par exemple, j'ai ça, là. Une station de récupération. Est-ce que tu sais à quoi ça sert? Est-ce que je peux affecter quelqu'un dessus, mais je vois jamais quelle personne travailler dessus? Par exemple, ça, c'est une de mes questions. Est-ce que ça sert à quelque chose? Alors, je vais mettre des lits quand même. On va mettre des lits pas trop moches. Ouais, des petits lits de camp comme ça, c'est parfait, ça, faut pas déconner. Alors, des lits de camp. Hop. On va faire des cabanes individuelles. Un lit. Deux lits. Un petit troisième par là, non? C'est pas très... Non, c'est un peu... Il en faut encore trois. C'est baraquement, ça. On dirait un peu une prison. On dirait Switch, un peu mon truc, mais bon. Pas grave. Alors, pas d'idée, je me demandais aussi. Oui, tu sais. Dis mon petit cas, je parlais un peu de Crofol avec Agorelia. Tu as participé au financement, toi? Et donc un accès anticipé? Alors moi, non. Je n'ai pas participé au financement. Comme par exemple Agorelia qui a participé au financement. Mais c'est un jeu que j'attends évidemment avec impatience. Agoria aussi, hein, ça, si tu as discuté avec lui, tu as dû t'en parler. Et je, sans vouloir m'avancer, j'aurai peut-être la possibilité d'avoir un accès anticipé. Hein, Agoria le sait. Mais personnellement, je n'ai pas participé au financement. Voilà. Ça fait un peu HLM tout ça, mais pas mal. D'un coup. Allez, encore un lit. Non, c'est un peu moche quand même, mais bon, c'est pas grave. On commence. Alors. Mon HLM. Hop. Allez, manque un lit si je le mets là. Je vais mettre là. Je suis tellement dingue que je vais mettre un cinquième là-bas aussi. Sixième ici. Enfin, pour les invités. Ouais, c'est pas mal ça. Alors, maintenant il manque des défenses. Ok, on va aller voir dans défense. Qu'est-ce que j'ai? Défense, poste de garde. Ça a quelque chose ça? Je sais même pas pourquoi ça sert moi. Bon, on va mettre un poste de garde. On va mettre des postes de garde. Casal dingue. Bah oui, c'est moi le dingue. Et alors, par contre, ouais, bon. Il faut du câblage. Faut trouver ça. Du câblage. Des pièges. Alors, le câblage, ça doit être dans l'électricité. Générateur, connecteur, lumière, divers, connecteur, interrupteur, pylône. Ouais. Bon, de toute façon, j'ai rien pour l'instant. J'ai pas d'électricité. On vit comme des. On vit comme des pauvres. Lesina, ça va, je suis bien plus loin. Je peux regarder ton live. Ah, Elote. Comment il se la raconte? J'ai vu que tu y avais joué beaucoup. Effectivement, bah tu fais bien. Le jeu est sympa. Putain, vu que tu as joué beaucoup, Lesina, un petit feedback là. Ah, combien d'heures t'as fait à peu près? Alors moi j'aime beaucoup ce genre de jeu. Hein. Bon, je sais pas quoi ça sert ce truc, ça me gonfle. Je vais le virer. J'aime beaucoup ce genre de jeu. Après, c'est un jeu solo. Hein. Ouais, les jeux solo, je me sens tellement seul. Je me sens tellement seul dans les jeux solo. Mais bon. C'est pour ça que je le fais en live avec vous. Je sens déjà beaucoup moins seul. Je peux discuter avec mes copains. J'ai genre 30 heures de jeu. Déjà? Oh putain, salaud. Hein? Ah ouais, effectivement. Effectivement, monsieur. Monsieur I.
Tu t'es lâché. Et du coup, tiens, vu que tu joues sur PC, tu joues à la manette ou... Parce que moi, je joue à la manette, je trouve ça beaucoup mieux. Je sais pas. Tiens, prends des chewing-gums. Et j'aime beaucoup, je suis fan des jeux où tu as des choix et des jeux longs. Ah bah moi, je suis fan des RPG. Déjà. En général. J'ai beaucoup aimé The Witcher 3 récemment. Après, dans les jeux vraiment qui m'ont marqué en tant que joueur, Final Fantasy, bien évidemment. Le 7 notamment. C'était passé chez moi ça? Je sais plus. Non. Alors, je joue avec souris, j'ai pas de manette pour PC. Je jouerais sûrement avec manette si j'en avais. Moi, j'avais racheté une manette. Donc, une manette Xbox, hein. Toute simple, hein. Pas la peine d'acheter la manette 360. Qui. Je sais même pas s'il y a une différence entre une manette Xbox normale et. Non, c'est quoi la dernière? Qu'est-ce que je raconte? One, Xbox One et Xbox 360. Bref, ça, c'est une manette Xbox 360. Que j'avais racheté, il me semble 40 euros. C'est vrai, bon, manette neuve, c'est un peu cher, mais voilà. Pour jouer à quoi? Bah, pour jouer à The Witcher 3. Je trouvais ça très bien. Ça marchait très bien. Et j'en suis très content. Sache que pour 40 euros, t'as une manette qui est super solide. Et tu peux. T'as aucun souci, tu la branches, elle est reconnue. Jamais de problème. Donc, petite pub pour les manettes Microsoft. Qui sont juste les meilleures manettes du monde. Super ergonomiques en plus. Donc voilà, je te conseille, si jamais tu as envie de te faire un achat, achète-toi une manette. Et pour ce genre de jeu, moi je préfère. C'est sûr, en solo, c'est un peu plus triste qu'un MMO. Mais bon, au moins, c'est du contenu que tu peux justement faire en solo. Un MMO, là, genre Wildstar, bah, niveau contenu solo, j'ai plutôt fini. Et comme j'ai pas le temps de faire du contenu de groupe, bah, j'ai plus grand-chose à faire. Oui, c'est vrai. C'est pas cool. Maintenant que je me suis remis dans les RPG solo, je pense passer sur The Witcher après Fallout, auquel j'ai pas joué. Ah ouais, bah carrément, vas-y, hein. Fonce dessus. Tu passes par Instant Gaming, dont le lien se trouve en dessous, partenaire de la chaîne Casamaya, et tu pourras trouver Fallout 3 pour pas bien cher du tout. Et dans les RPG solo, c'est une des claques de cette année. Alors comme RPG aussi que on est vraiment sympa, tu as eu le dans un autre style Pillars of Eternity. Voilà, une espèce de si tu veux faire un rapprochement, je sais pas si tu connais les Baldur's Gate par exemple. Ça c'est du bon. C'est du bon jeu de rôle aussi. Mais après il faut. En fait, le seul problème, il y a tellement de bons jeux, le plus long, c'est d'avoir le temps d'y jouer. Bien des sur Diablo, nous dit Resti. Et les cinéastes se moquent de moi pour mon lien partenaire, que j'ai essayé de placer dans une discussion. Diablo. Diablo, Diablo, Diablo. Est-ce que je peux te faire une confidence, Resti, à propos de Diablo? Entre amis, comme ça. Destiny, j'ai connu mon père jouer à Baldur's Gate. Il va me faire passer pour des vieux cons. À Diablo 3, j'ai bien aimé. J'ai joué à sa sortie. J'ai joué pas mal. Ça avait bien plu comme jeu. Puis un jour, ils ont décidé d'enlever l'hôtel des ventes, les échanges, tout ça. Et du coup, j'ai plus jamais remis les pieds. Et ça m'a. Surtout l'hôtel des ventes en argent réel, que je trouvais une très bonne idée pour un MMO, pour une fois. Du coup, voilà. J'y ai pas joué depuis, j'ai pas envie d'y rejouer. Et puis à l'époque, il y avait aussi le fait que. Merde. Non. Voilà, j'y suis arrivé. Il y avait aussi le fait qu'à l'époque, quand tu lootais une légendaire, là, je sais plus s'appelle légendaire d'ailleurs, les items orange, fallait avoir de la chance. T'en lootais un, tu en lootais pas un tous les jours. Maintenant, tous les loots se font, j'ai l'impression que.
J'ai l'impression que c'est plus comme avant, quoi. C'est pas aussi bien qu'avant. Voilà. Je me trompe peut-être. Mais moi, ça me donne pas envie d'y retourner. Bon, je parle. Je recycle. C'est pas ce qu'il y a de plus passionnant. Je vous l'accorde. C'était mieux avant, mais oui. Eh oui, en tant que bon farmer, moi, tout ce qui est hôtel des ventes, en plus hôtel des ventes avec argent réel. Il y a un jeu comme ça, il y a deux jeux qui mélangent jeux vidéo et argent réel. Après, les jeux, ils sont mal faits, c'est ça le problème. Vous avez bien évidemment. J'ai oublié le nom. Second Life, qui est plus un jeu social, où il y a tout un mélange d'argent réel et d'argent virtuel. Très intéressant. Mais bon, c'est pas vraiment un jeu, quoi. Enfin, c'est un truc social, donc pour les vrais gamers, on va dire, c'est un peu mou du genou. Et vous avez un autre truc, Planète Calypso, enfin, en français, enfin, il a plusieurs noms. Ça s'appelle déjà Planète Calypso. Ah, merde. Entropia Universe, voilà, c'est ça. Qui est un jeu sur lequel vous mélangez l'argent réel, argent virtuel. Et tous les jours, il y a des espèces de chasse aux monstres organisées par les joueurs pour tuer des monstres qui lootent des items. Et bien sûr, les items, comme il y a un mélange de l'argent réel et l'argent du jeu, les items ont une vraie valeur réelle. Et vous avez de temps en temps, pendant que vous jouez, des gros messages à l'écran qui s'affichent en marquant le joueur Mishmush a ramassé un item d'une valeur de 200$ sur un mob niveau 60, par exemple. Moi j'aime bien ce genre de truc. C'est bon, pareil, le jeu, c'est spécial à prendre en main, c'est un peu vieillot. Voilà. Je recycle, je recycle. Je suis bio. Aujourd'hui je suis bio. Je suis écolo bio aujourd'hui. Stop de recycler. Mais on discute là, d'ici là, y a pas à râler. Alors, bah le jeu a bien changé, je dois dire. Mes niveaux légendaires, oui, ça tombe sans difficulté. Mais c'est la recherche de bonnes stats qui fait tout, c'est vrai. Déjà à l'époque, la recherche de bonnes stats faisait tout. Il y avait aussi, il y a pas longtemps, toute une vague de bannissements sur des bots. Apparemment, il y a encore plein de bots sur le jeu. Bah, tu vois, quitte à rejouer un jeu, un Diablo-like ou un RPG comme ça, je préférais m'investir plutôt dans un truc qui est un aspect MMO comme par exemple Devilian. Par contre, il va sortir en free-to-play et Trion. Malheureusement, avec les free-to-play, j'ai plus confiance du tout. Tu vois ce que je veux dire, Resti. Bon, il y en avait du bordel ici. Les manouches auraient été contents. Ah, des capsules. Ouh. Monsieur se transforme en inférieur. Oui. Problème. Et est-ce que ta femme est destinée à jouer aussi à Fallout? À quoi joue-t-elle depuis le temps? Vous avez vu jouer à Overwatch il y a pas longtemps? Il dessine, je m'en fous, rien qu'à voir ta tête, je suis content. Je sais pas s'il faut prendre ça comme un compliment. Ça fait un peu, je me fous de ta gueule. Lost Ark serait peut-être le nouveau Messi. Ah, effectivement, je l'avais oublié celui-là. Mes niveaux RPG en ligne. Bon, j'ai fait un bon ménage là. On va finir encore juste une petite maison. Je commence à saturer un peu aussi niveau recyclage. On va faire la maison qui se trouve là. Ah voilà, c'est encore plus simple. Ok. Et il restera tout ça à faire encore. Bon, on a bien avancé. Alors, mamie. Mamie, tiens, je vais lui parler, mamie. Parce qu'elle voulait quelque chose, que je lui fasse un lit, je lui ai fait. Ça ne vous dérange pas de fabriquer une chaise pour la vieille Mama Murphy ici? Ah non, ça me dérange pas, je vais te faire une chaise. Attends, je vais te répondre.
Je me ferai un plaisir de vous aider. Merci. T'inquiète, ma couille, je vais te faire une chaise. Ah oui, alors, je vois que j'ai, regardez. Il est signé qu'il y a un pot de Fallout, 30 heures de jeu. Sur ma barre de PV, j'ai un petit coin rouge en bas à droite, donc c'est les radiations, hein, si j'ai bien compris. J'avais des items, des seringues pour me faire enlever les radiations, et j'ai plus. J'en ai plus. Est-ce qu'il y a un autre moyen d'enlever les radiations, par exemple en dormant ou en mangeant quelque chose? Est-ce qu'il y a des recettes qui peuvent me faire enlever les radiations? Alors, Mama Murphy, je vais lui faire un... Oh, je vais lui faire un truc sur Piloti, tiens. Ah, c'est un pont, ça. Quoi? Oh, si, je vais faire une barrière en bois. Ouh, on va être bien, là. Ouh, c'est comme au camping. Ouh, oui, on va être bien. Mais là, c'est hors sol, là. Ça fait un peu moche. Attendez, on va pas être bien, là? On va être magique, là? Ouais, il veut pas. Ouais, il veut pas me... Ouh, le campement de manouche, parfait. Hop, on va mettre une petite chaise à Mama ici. Elle aimerait y jouer, mais elle a un peu peur des monstres pas beaux. Pardon. Et moi aussi, je suis souvent surpris lors des combats. Moi aussi, ça me tend un peu ce genre de jeu. Surtout les ghouls. On attend Battlefront. Les Radaway. C'est ça, c'est les Radaway. Mais j'en ai plus. J'en ai plus des Radaway. Alors, je sais pas si on peut en crafter ou si on peut faire autre chose. Et ouais, moi aussi, écoute, Battlefront, il est préco aussi, mon cher I. Il sera donc dans ma vidéothèque à partir de jeudi. Enfin, pousse-toi, Canigo. Je parle à mon chien virtuel, désolé. Voilà. Et je voulais dire un truc. C'est quoi ça? C'est un mini escalier ça? Oh ouais. Oh mama. Ouais, c'est un peu. Non, ça va pas. Et pour ceux qui suivent la chaîne et qui sont pas encore abonnés, les amis, n'hésitez pas juste ici en bas à gauche le petit cœur. Hein. Appuyez, cliquez sur le petit cœur pour suivre la chaîne. C'est gratos, ça coûte rien. Entre amis. Je peux pas faire une espèce de pergola là. Je vais te faire un truc sympa là, genre un truc à pique-nique. Ah, ça fait un peu bordel après. Ça pas. Bon, bah, on va faire un. Bon, on va mettre une chaise à l'intérieur pour mamie. Et puis, je vais me faire un truc détente. Ah, ça avait une chaise comme ça, Mama Murphy. Putain. Chaise Louis XVIII là. Elle n'existe pas, Louis XVIII, mais bon, pourquoi pas. Ouais, mais j'ai pas de place moi pour mettre ta chaise. Mais merde, hein, mamie là. On va te la mettre dehors ta chaise, oh là. Ça, tu surveilles les gens, toi. Bon, les vieux, c'est bien connu. Passe leur temps dehors. Bon. Alors, on va tester ça. Excellent! En plus, je peux attendre. Oui, bon, on va pas passer non plus 4 heures dans le siège. Il y a des médecins dans certaines villes qui peuvent te faire contre un peu de capsule. Mettre un cœur à casa. Oui, mettez-moi un cœur. Fleur. Fleur, cœur, fleur. Un jour, Sanctuary deviendra une communauté très vivante. Je l'ai... T'inquiète, ma poule. Si on peut discuter un peu. Maman Murphy. Tu t'en fous. Laissez-moi m'installer sur ma chaise et on pourra parler. Ah bah vas-y. Va te mettre sur ta chaise. On discutera après. Par contre, tu veux pas un peu des nouveaux vêtements parce que tu ressembles à un vieux clodo, là. Je suis sûr que moi, je pense que Mama Murphy, elle boit de la pelle forte en cachette. Mama Murphy. Allez, t'es assise, discutons. Hey. Vous avez besoin de la vision. Elle me dit que les Mentats me mettront dans le bon état d'esprit pour avoir un nouvel aperçu. Ah, ça y est, elle veut sa dope. Allez. Ah, voilà. C'est quand même moche. God Wars n'a pas aimé. Chercher un homme. Il est en mesure de vous aider. Développons au maximum notre relation avec vos compagnons. Vous débloquez des aptitudes spéciales. Il est dans un endroit profond.
et sombre. Si vous contrariez suffisamment un compagnon, il refusera de poursuivre l'aventure avec vous. Cruel, mais il y a un écho, quelque chose dans le passé qui pourra vous aider. Quand ok. Vous rencontrerez le gros et le la gros. Femme en colère, dites-leur de se souvenir de la carrière et de Lily Jones sur les rochers. Oula, là. Ils vous laisseront passer, votre ami et vous. Oula. Ne vous en faites pas pour moi. C'est juste les effets secondaires. Ok. Ok, grand-mère. Tiens, Ganigou, pousse-toi. Hé. Hey. Je peux parler à mon Comment chien. Comment ça va, mon vieux? Alors, mon grand, tu penses pouvoir trouver quelque chose pour moi? J'avais même pas vu que je pouvais envoyer mon chien chercher un truc. Tiens. Va voir s'il y a quelque chose d'intéressant dans le coin, mon grand. Je vais m'apprendre un truc. Alors, Ganigou, trouve-moi. Tiens, gratte là. Y'a rien. Hein. Bah non, t'as rien trouvé. Coup de pied au cul, oui. Bon, allez. Alors juste, je voulais finir un coup de ménage, là. Dans ma baraque. Non, on va laisser tout ça. Ça fait plus vivant, quand même. Ok, alors, fallait mettre des défenses. On va mettre des défenses. Avant de partir. Ça peut les rassurer. Est-ce que je peux... Recycle. Ah, je peux envoyer. Ah, oui, je peux envoyer mon chien. On n'arrête pas le progrès. Hop là. D'ailleurs, on parlait là, RSI, je sais pas si t'es encore là, de Lost Ark. On a une date là, précise, on a quelque chose un peu, ou des bêtas de prévu. Je serais curieux. Tester ce truc. Alors, des défenses. On va mettre des défenses partout parce que je suis un fou furieux. Poste de garde. De toute façon, je ne peux pas mettre grand chose d'autre que des postes de garde. On va mettre une tour. Deux tours. On va mettre deux tours. Enfin, des tours près de ma bouffe. Là. C'est la bouffe, ça. Il y a le jardin. Là. Hop. Une tour de garde ici. Alors, par contre, quand votre défense est trop faible, le risque d'attaque sur votre colonie augmente. Maintenez votre défense à une valeur au moins égale à la somme de vos ressources en eau et en nourriture. Ok, alors par contre, il faut que je choisir. Il faut que j'affecte quelqu'un dessus. Alors, on va essayer de trouver quelqu'un. Alors, Sturge. Sturge. Sélectionner Sturge maintenant. Affecter. C'est bon. Sturge, il est là. On va remettre une tour là-bas. Et c'est premier test début d'année prochaine, je pense, pour la Corée. Début d'année prochaine pour la Corée, bon, c'est un petit peu long, mais on va y arriver. Hop. Et il y a aussi, si je dis pas de bêtises, Lineage Eternal. Ce sera un ARPG. Ah, il faut que je remette encore quelqu'un dedans. Ah merde. Tiens, Cosworth, tu peux servir à quelque chose, ma poule? Viens par là. Et voilà, défense à 6. Et ben, on va laisser ça comme ça. Tout est dans le vert. Très bien. On va voir s'il n'y a pas trop de merde dans mes sacs. Et on va pouvoir un peu faire l'aventure. En tout cas, ça me fait du pex. Right away. Plus de right away. Aptitude, c'est bon. Inventaire. Corée du Sud, pour préciser. Là, je crois que les Coréens du Nord, ils ont pas vu grand chose depuis longtemps, hein, les pauvres. Alors, pistolet, minigun, fusée condensée, mousquet laser et mon gun, tout ça je garde. Tenue, tout ça c'est bon. J'avais déjà fait un petit tri. Le soin. Radiation 7, est-ce que ça veut dire que je suis irradié si je mange ça? Ah, attention, attention, là, il me fait une question, il est signé à cité là. J'ai des bombes sucrées, PV 15, radiation 7. Est-ce que ça veut dire que si je mange ça, je perds 7 points à cause des radiations? Si c'est le cas, c'est de la merde. C'est caca.
Si c'est K, c'est caca. Une perception bric-à-brac. Tout en bric-à-brac. Je vais le transmuter. Les munitions, les données, quête, sanctuary, parler à Sturge, construisez des lits. Parler à Sturge, j'aimerais parler à Sturge. Salut. Oui, tu vas perdre ça, d'accord. J'attends toujours que tu m'invites à prendre le thé. T'as pas oublié quand même. Oh non, bien sûr que non. C'est juste que j'attends d'avoir un créneau dans mon planning. Pas de soucis, mon vieux. Qu'est-ce hey, que tu as fait Cotsworth. Je vais faire un bisou à Cotsworth. Vous accompagner, monsieur. C'est ce que tu veux. C'est ce que tu veux. Comme vous le souhaitez, monsieur. Non, pas maintenant. Très bien. D'accord, merci Dissinia. Donc effectivement, ça sert à rien. Enfin non, ça sert à rien. Transfert. Ça servait à... J'ai fait un truc. Transfert, jamais vu. Transfert, ça sert à quoi ça? Ah oui, si je me trompe de bouton, ça va le faire. Ah oui, c'est ça. Je vais mettre tout mon stock bric-à-brac. Voilà. Alors, un pack crawfall récise... Pardon, c'est vrai que ça fait cher. Hein, pour que c'est. Je ne peux que te conseiller de patienter et de voir suivant, par exemple, les vidéos et live au moins, du moins d'Agorelia, qui aura un accès, je pense, assez rapidement. Alors, FKKK pour Elysinia. Ah, c'est juste un pipi. Bon, bah bon pipi. Alors, Sturge, faut que je te parle. Sturges. 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 Oula, qu'est-ce que tu nous fais là, Sturgeus? Ça me plaît bien. Avoir un endroit où dormir, c'est bon pour le moral. T'inquiète, ma poule. Ce qu'il nous faut maintenant, c'est une source d'eau propre. Ça y est, c'est déjà installé. Je m'en occupe. Ce ne sera pas long. Parfait. Faut aussi de l'eau propre. Ah, encore c'est... merci. Oh, ça y est, c'est fait. J'avais déjà mis, j'avais déjà tout fait. Et regarde, elles sont là, les pompes à eau, là. Regarde un peu, là. C'est bon, arrête d'être excité. C'est pas bien là sur ta tour de gay? Hey Sturges. Sturges. Je me sens déjà mieux maintenant qu'on a une source d'eau propre à disposition. J'espère que je vous en demande pas trop, mais on commence à être à court de nourriture. Mais non. Si on veut s'installer ici, il va falloir mettre des cultures en place. C'est déjà fait. Je commence tout de suite les plantations. Hop, 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 hop. Et hop, nourriture. C'est bon ça. Sturges. Ça commence à ressembler à quelque chose. Maintenant qu'on a nos propres cultures, je crois qu'on va être bien ici. Ah oui, on va être bien ici, attends, c'est tout fait. C'est que plus on va développer ce petit coin, plus on va se faire remarquer. Oui. Ce qu'il faudrait, c'est qu'on installe des défenses. Comme ça, Preston pourra peut-être se détendre un peu. Le mec, il est déjà sur une tour de guet et... Je m'en occupe. Ah, hop, et merci. Voilà. Tout le monde se sentira plus en sécurité. Eh oh, du calme. C'est toujours ce qu'il y a de plus sage à faire, mais j'ai tellement rien à me mettre sous la dent à part Diablo 3 en ce moment. Ah oui, mais je comprends. Moi, je t'avoue que bon, heureusement qu'il y a Fallout 4, je me suis remis tranquillement à Guild Wars 2, du moins pour tourner mes let's play, ce qui m'occupe pas mal. Et sinon, j'ai aussi un peu le blues, enfin, je suis en manque de nouveautés en MMO, là, j'aimerais bien avoir un nouveau MMO sur lequel m'investir. Cosworth a aimé. Cosworth vous tolère. Il y a intérêt à ce qu'il me tolère, sans foirer, oui. C'est bon? C'est bon? Les joyaux de commun. Tuer les pillards à l'usine. Ah oui. Et aller à Diamond City. On va voir. Défense. Quoi, pourquoi il défense? Il me fait un. Ah tiens, alors, question là pour vous. Il dessine là, surtout. Je vois là que j'ai plusieurs endroits où je peux faire. Donc il y a Sanctuary où je peux faire une colonie, le relais routier aussi. Très bien, mais pour ça il faut que j'ai des colons. Où est-ce que je trouve des colons? Est-ce qu'ils peuvent se. C'est comme les Sims, ils se reproduisent ou quoi? Là j'ai 5 clampins. Et je voudrais avoir plus de. Plus de monde. Putain, pas la musique. On va se faire pincer pour droit d'auteur sur YouTube, mais c'est pas grave. Fuck YouTube, fuck les droits d'auteur. Blah. J'ai un fou, j'ai peur. Idem, j'en suis au point de reprendre WoW, quoi. Ah, si, pas bon, ça. Surtout pas. Surtout pas. Ça m'est arrivé il y a peut-être 3-4 mois de reprendre WoW. J'étais très content le premier soir quand j'ai relancé l'abonnement. Très content, bah,
de retoucher un peu à WoW et au bout de 48 heures à peine, j'en pouvais déjà plus. Donc j'ai arrêté. Donc non, ça sert à rien de claquer tes sous là-dedans. Ça servait à rien, ça. Ça servait à rien ce que j'ai fait. Alors attends, parce que j'ai Codsworth, j'ai Sturge. Il y a petit chinois aussi, il est où? Night, rock, city, night. Allez, pousse-toi. Codsworth, j'ai l'autre qui patrouille hein, en boucle. Donc je pense que je peux pas l'affecter nulle part, lui. Et il y a Mamie qui fait. Ah bah non, il est plus là, le petit noir. Le petit blanc, le petit. Bon, Preston, je peux rien faire. Preston, il marche. Il tourne en rond. J'ai Preston, j'ai Codsworth, que j'ai affecté à la défense. Sturgis, que j'ai affecté aussi à la défense. Donc on est, ça fait 3. J'ai la grand-mère qui plante les choux. Et j'en ai une autre, une gonzesse, que j'avais affectée aussi ici. Bah, j'ai brûlé. Il y avait quelqu'un ici. Bon. Je sais bien, mais manque total de PVP. Heureux, Idisigna. Alors, Idisigna? Oula, c'est quoi ça, cette tempête dégueulasse? J'étais en train de poser une question avant que tu t'en ailles lâchement, ma poule. C'est pas une tempête. Atomique, ça? On va dormir. On va se coucher un peu, de toute façon. 5h du mat, de l'après-midi, on va monter à. Voilà. Idisigna, je te disais, ma poule. En plus de ne pas travailler, tu passes ton temps à travailler à la toilette et à regarder des streams. Je te demandais. Je te demandais quoi? Oui, je te demandais, Idisigna. Donc j'ai comme colonie Sanctuary, mais aussi le relais Groutier, j'ai vu ça. Donc j'imagine que j'ai débloqué plein de colonies en tout genre en découvrant la map. Mais pour développer une colonie, il faut bien des colons dedans. Voilà. Comment je trouve des colons? Est-ce qu'ils se reproduisent entre eux? Ou comme dans les Sims? Ou non. Comment ça marche? Alors, on va juste faire un petit tour à l'atelier. Voir si je peux augmenter des trucs. Et puis on va se promener. Alors, bras gauche de pillard. Attends, attends, du calme, du calme, du calme. J'ai la combinaison de l'abri 111. Je suis déjà en isolant. On va faire mieux. Ah, du plomb. Je sais pas où est-ce qu'on trouve le plomb. On va pas faire mieux pour ça. Il est soudé. Je peux le tremper. Et bon, on va le tremper. Toujours ça te fait. Vous avez fait du bon boulot avec ces. Je vais mettre des poches. Oui, je vais mettre des poches. Ah. De me plaindre quand j'aurai plus de... Tiens, c'est. Elle est là. Ah, je l'ai trouvé. T'étais où, bonne femme? Je veux juste échanger quelques trucs. J'avoue que c'est pas si mal ici. Preston voudrait discuter. Et on va trouver Preston. Alors, je comptais mieux me pencher dessus pour faire notamment un guide dessus sur GameGin, mais je pense qu'il faudrait faire une antenne de recrutement que tu peux alimenter avec un générateur. Après, tu mets de quoi vivre, maison, etc., des plantations. Wow. Alors, t'es sûr que c'est comme ça? C'est passif, alors, le recrutement. On envoie des ondes et les gens viennent. Pas mal. Ah, j'avais plus un truc où on était obligé de faire des missions, tu vois, pour aider des gens qui te suivent après. Alors, tiens, faut que je te parle, toi aussi, ça va. Certains jours sont plus difficiles que d'autres. Oh, tu me déprimes, toi. Chaque jour qui passe, c'est plus facile que la veille. Oh là, bah tant mieux. J'ai changé quelques trucs. Hâte de chouiner tout le temps, toi. Notre petit projet de reconstruction de Sanctuary m'a vraiment aidé. Ça me permet de penser à autre chose. Eh bah tant mieux, faut que j'aille parler à Preston. Il est où? Quelqu'un a vu Preston? Canigou, hâte de chouiner. Preston. Preston. Ouais, et par contre, elle, depuis que je lui ai construit une chaise Ikea, elle est tout le temps assise dessus. Ah, tu t'es un peu coincé, bonhomme. On m'a appris qu'on pouvait réparer n'importe quoi avec du scotch. Mais je crois pas qu'il pensait à des impacts de dommage. Voici un truc, une sorte de message. Un
partenaire de Diamond. Je prenais rien là, c'est prévu dans mes prochains soirs. Je sais pas si c'est passif. Mais j'ai hâte de voir tes guides. Restez en alerte. Ah. Ne baissez pas votre garde. Allez, je te parle, Preston. Preston. Il vous faut quelque chose? Pour vous. Ça vaut toujours le coup de se battre pour la liberté. Tout n'est pas rose. Bon, il voulait me parler, mais rien du tout. Que dalle. Prenez soin de votre arme. Ma gueule, toi! Au moins il ne pleut pas. Au moins il ne pleut pas. Oui, bah au moins il pleut pas. Bon, bah les amis, on va se prendre un peu. Hein? On a la radio, tout ce qu'il faut. Alors, fallait aller où? Allez, tuer les pillards. Usine. On va aller essayer ça. C'est par là ou c'est pas tout près? Est-ce que je peux faire un TP? Non. Non, je peux faire un TP à la gare. Est-ce que ça me rapproche? Oui, un peu quand même. Allez, on va TP à la gare. Pour récupérer la santé, vous pouvez utiliser un steam pack, manger quelque chose, aller voir un médecin, boire de l'eau ou dormir dans un lit. T'es con et des signards, hein, arrête d'embêter mon Nightbot. Laisse mon iBot tranquille. Le robot Miss Nanny. Alors attention, parce que là c'est le genre d'endroit pourri où il y a des sales bêtes qui traînent. Oh bah j'ai pas non plus beaucoup de munitions. Moi. Faudra peut-être que aussi que je pense à m'équiper au moins d'une arme. D'une arme cac. Allez, on ouvre les yeux. What the fuck? Trop cool! Ah, je peux lui taper dessus. C'est super marrant ce truc là! Oh putain, enculé! Merde, m'a trompé, c'est pas ça que je voulais faire. Ah, mais j'ai tout mis à côté, bien évidemment. Putain! Hey! Oh! Ah là, j'avais déjà plus de munitions. Elles vont tous partir là-dedans. Ah merde hein. Voilà. Toutes mes dernières munitions sont parties à cause d'un putain de bot de merde. Il est méchant, il me spam. Bon. Je comprends pourquoi ta copine veut pas jouer à ce jeu. Parce que dès que tu rencontres un truc, il veut te bouffer la gueule. Allez, continuons. C'est par ici. Attaqué par des mouettes géantes. Oh, on va faire une petite sauvegarde quand même. Ça peut être pratique. J'ai tendance à mourir facilement ici. J'ai envie de tout recycler là, ça y est. La frénésie du recyclage. Je vais de recycler tout ce qui traîne. Alors bah, il y a une espèce de grosse baraque là. Ça pourrait être bien, mais. Oh là, j'ai envie d'aller voir ce qu'il y a. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est Kanigou, c'est toi. Kanigou. Tiens, alors Kanigou, on va essayer un truc. Viens là, ma poule. Hey. Hey. Ah, je peux pas faire... Attendez là. Non, attends pas. Par ici. Moi. Je peux pas te faire rechercher, là. Non. Viens, ma poule, on va aller se promener. On va essayer de trouver des balles. Et puis, nous. Le Starlight Drive-In. C'est ça, le Starlight Drive-In? Ah oui, d'accord, c'est ça. Le cinéma plein air. Mais c'est excellent. Les ghouls, elles font peur. Oui, les ghouls, elles font peur et puis elles te sautent à la gueule, j'en ai vu. Et puis, elles te sautent dessus, c'est ça, avec une vitesse supersonique, oui. C'est les seuls qui m'ont tué dans l'épisode 5 ou 6 ou 7 que j'ai tourné, qui est pas encore sorti d'ailleurs. Fait bouffer par les ghouls, ce sont les seuls. Bah, il y en a à côté, là, la gare, effectivement. J'avais clean la gare. Ah, poste de cuisine, fabriqué. Qu'est-ce que je peux faire? Pas grand chose. Je peux purifier de l'eau, je peux rien faire. Rôti. T'arrives à faire une côte de chien. J'ai l'impression que mon chien est en train de se battre avec quelque chose là. J'entends grogner là. Non? Juste pour me stresser cet enfoiré.
Allez, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Du bordel. Ah, la vodka, excellent. Fingue à cheveux, très bien. Ah, une machette. Voilà, il me fallait une arme cac. J'ai tiré dans mon chien, j'ai pas fait exprès. Je suis dangereux, moi. Heureusement qu'il sent rien. Alors, machette, on va la mettre en favori RB. C'est quoi ça, RB? Putain. Hop. Voilà. On va l'équiper. Je serais peut-être un peu moins dangereux comme ça. Hop là. Des fois, t'as des grosses embuscades. Elles te sautent à 5 en même temps sur toi. En début de partie, sans beaucoup de PV puissance, tu fais pas long feu. Le mec, il tire dans son chien comme ça, il est pas fait. What? Oh! Ah! C'est quoi ce jeu? On est jamais tranquille dans ce jeu. Avec des trucs qui m'irradient. Ah non, ça c'est bon, ça marche. Côte de chien, hop là. Voilà. C'est quand même un monde. Y'a que des pièges partout. Bon, c'est pas des monstres, c'est des pièges. Des robots, ils t'attaquent. Tu vas dans un truc vide, tu te prends des grenades. Hop, voilà. Au moins, t'as survécu. Ben, j'ai survécu de pas beaucoup, hein. Allez, donc il va falloir se préparer à d'autres conneries du genre. Bon, je ramasse toutes les merdes que je trouve. Ça ira dans mon... C'est bon, la petite blague, il n'y en a pas d'autre. On a une belle vue, là. Excellent. La vue est parfaite, il manque plus qu'un cigare et une vodka. Bah, la vodka, j'en ai, on va boire une vodka, tiens. Est-ce que ça sert à quelque chose, la vodka? Allez, hop. Petite vodka, easy. J'ai bien fait de la soirée, il y avait des cartouches. Pour ça, quand tu arrives, soigne-toi un peu et va dormir. Une heure dans un lit si tu te trouves à proximité. C'est vrai que dormir, ça régène, c'est pratique. Allez, clé de l'arrière-salle. Excellent. Donc, l'arrière-salle, j'imagine que c'est pour le drive-in à l'intérieur. Ou juste en bas, je sais pas. On va voir, on va redescendre. Salut Jeff 951, bienvenue à toi mon ami, mets-toi à l'aise, fais comme chez toi. Jeff 951, je suis pas sûr de t'avoir déjà vu ici. Et ben voilà. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Petit clic sur le cœur en bas à gauche. Arsène Lupin. Ouais. Je me suis mis à l'aise en slip. Parfait. Ah mais si, Jeff, j'ai déjà vu. J'ai déjà vu, ça me revient. Ah, les Radix, c'est excellent. Pousse-toi, Canigou, tu m'emmerdes. Bon, tout ça pour ça, pour 3 merdes, un ventilateur. Ah, cellule à fusion, pour une fois que je trouve des... Des trucs utiles. C'est tout. Ah. Dis donc. Dis donc. Réacteur à fusion. Tiens, anglaise. Ouais, oui, il y en a plein des trucs. Hop, 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 hop. Bon, on va t'aider à ramasser tout aussi. Tiens, pousse-toi. Allez, avance. Bon, merde. C'était quand même pas ça, l'arrière-salle. Parce que... J'ai pas utilisé la clé, hein. Le beau diamant du Commonwealth. Bon. Vous écoutez Radio Diamond City. Si, je suis avec... Inotna. Ah oui, oui, excuse-moi, Jeff, ça me revient. La bande des affreux, bien évidemment. Inotna, Estelle. Oula, oula, il y a des taupes. Les rats taupes enragés. Tiens, vas-y, qu'est-ce qu'il y a? Finalement, je vais peut-être me reconvertir au...
au cac. Et hop, niveau plus. C'est pas mal le cac aussi. Bon, j'ai laissé mon chien se débrouiller. Pas mal le cac parce que les munitions ça part vite. Hein. Qu'est-ce que je peux faire? Oui, je peux faire. Qu'est-ce qu'il y a? Voilà, c'est tout. Ouais, on va se reconvertir au cac. C'est très bien le cac. Alors, niveau plus. On va mettre un petit point. Alors, perception, je suis trop. Endurance, santé. Allez, on va augmenter bah, effectivement l'exercice de force. Hein. Et dégâts cac. Et voilà. Bon gosse. Bon, par contre, il faudra essayer de faire des crafts d'armes cac un peu plus intéressantes que ça. Jeff, je sais, par contre, Jeff, excuse-moi, je te connais donc peu. Donc, re-bienvenue en slip, bien évidemment. Dis-moi à quoi tu joues, Jeff, parce que là, on a un joueur RST de Diablo 3. On a Illistinia, joueur de Fallout et de Wildstar. Et on a en même temps Gorilla qui est en AFK. Alors, attention, ça fout des radiations. Qui est en AFK parce qu'il est en train de faire un raid sur Wildstar aussi. J'en profite pour rappeler tous les liens utiles que vous pouvez trouver en bas. Eh, hey, c'est ça l'arrière-salle. J'ai enfin trouvé. Donc il y a un atelier. Maintenant je peux utiliser. Oh, ok. Voilà. J'ai encore un autre point de colonie. Bon. Ah bien. J'ai pas de colon, ça sert à rien. J'ai quand même juste recyclé mes merdes, transféré truc à bac, bon, ça c'est fait. Donc je pourrais tout recycler. Très bien. Oui, donc les liens utiles, vous pouvez trouver donc les liens sur la chaîne YouTube. Vous pouvez aussi trouver le partenaire Instant Gaming, vos jeux moins chers. Le Facebook, le Twitter, le blog casamania.net. La vodka ne fait plus d'effet. Comment ça la vodka fait plus d'effet? Et puis tout ça. Eh, hey, t'arrêtes d'activer toutes les mines, là? Viseur luminé haute sensibilité. Yeah. Merci, madame. Oh, il y a des balles, là. Cartouche. Mais il est pas mal, ce coin. Tu t'es converti au cacisme. Au cacisme, je viens de comprendre. Ouais, je préfère, finalement, je préfère largement le cac. Enfin, ça plus... Bah déjà, rien qu'avec une manette, je trouve que c'est plus simple, le cac. Mon cher me stresse, il est toujours en train de faire du bordel.